Ani kola lo jajan mare ni. 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 Oja gomina komo nu oko wa. Oja gomina komo nu oko wa. Oja gomina gbe komo nu oko wa. Oja gomina. Oja gomina komo nu oko wa. Komo nu oko wa gbe komo nu oko wa. Oja gomina. Oja gomina komo nu oko wa. Komo nu oko wa gbe komo nu oko wa. Oja gomina. Oja gomina komo nu oko wa. Ani kola lo jajan mare ni. Ani kola lo jajan mare ni. Ani kola lo jajan mare ni. Oh oh. Ayo kola lo jawo mare ni. Noja gomina komo nu oko wa. Oja gomina komo nu oko wa. Oja gomina gbe komo nu oko wa. Oja gomina. Oja gomina komo nu oko wa. Komo nu oko wa gbe komo nu oko wa. Oja gomina. Oja gomina. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous nos auditeurs. Mon nom à l'état civil, c'est Lejou André Ayelade. Et mon nom d'artiste, on m'appelle Lejou Premier. Je fais beaucoup de genres de musique, mais principalement, je fais de la musique reggae. Principalement de la musique reggae. Et un peu de musique traditionnelle et d'autres musiques comme les R&B, du rap, pour ne pas citer que ça. La musique, je vais d'abord vous parler de l'histoire de mon rêve, voilà. Sinon, je l'ai rêvé depuis 2003, quand j'ai commencé par courir un peu partout, de danser à Glasgow, à la recherche des studios pour me faire enregistrer. Donc, ce qui n'était pas faire dans les temps. C'est vers les années 2008 que je me suis fait enregistrer pour la première fois à Porto. Je chantais beaucoup plus en langue mina et en français. En ce moment, je faisais de la musique R&B. Ce premier son dans les temps, je l'ai et titré Lonlon Bignan, qui veut dire affaire d'amour. Lonlon Bignan, c'était un truc que chantait en mina et j'ai rappé en français dedans, dans les temps. Mais je ne l'ai pas présenté au public, en fait. Vous voyez, je ne l'avais pas présenté au public pour pouvoir dire voilà, ça a été apprécié de telle manière ou de telle manière, parce que ça ne donnait pas ce que moi-même je voulais dans les temps. Donc, je l'ai jeté dans le coulisse et j'ai continué mon chemin. Lonlon Bignan, pouvez-vous nous fredonner ce que ça donnait en 100 ans? Puisque là, il y a beaucoup d'années quand même. Il y a beaucoup d'années. Et j'étais un major léger, je ne sais même pas comment te le dire. Pour que tu comprennes vraiment que je t'aime. Je t'aime pour la vie, pour le meilleur et pour le plus. Faut-il que je pleure? Soit que je souris, faut dire que je pleure pour que tu saches que moi je t'aime. Le côté rap c'était éminent, bon bref. C'est d'abord une passion et quelque chose pour mon propre plaisir d'abord. Pour mon plaisir et aussi chercher à changer le monde ou à faire voir aux autres ce que moi je vois à ma manière. Donc j'aimerais juste faire voir aux autres ce que je voulais dire, ce que je vois, la manière dont moi je vois la vie. Est-ce que vous me comprenez? La manière dont moi je vois la vie, j'aimerais aussi importer, montrer aux autres que voilà autre manière de voir et de vivre. Donc c'est ce qui m'a amené vers la musique en fait. Avant la musique, Lejou Premier était un chauffeur, et conducteur, gros porteur. Voilà.
ce qu'il a fait pendant des années. Et quelques années après, aujourd'hui, actuellement, il va vous dire qu'il est vitrier. Il est dans le domaine des vitrieries, portes-fenêtres, ce qui concerne les aluminium. Je ne vois pas en quoi ça affecte ma musique, parce que à chaque fois que je veux entreprendre quelque chose qui concerne la musique, je fais mon programme, c'est que son temps à part et le temps de mon boulot à part. Vous voyez, donc je fais tout pour ne pas, pour que l'autre n'empêche pas l'autre. C'est un peu ça, ça n'a pas d'impact négatif sur ma musique. Autant donné que j'ai un groupe bien organisé, même dans mon service de l'autre côté, quand je ne suis pas là, tout doit marcher comme il faut. Jusque pour le moment que je dois aller servir de l'autre côté pour la musique, je veux dire, ça ne gâte rien. Ça ne gâte rien. Les difficultés, tout le monde, c'est d'abord les difficultés financières. Et parfois, on a des inspirations et qu'on a envie d'entrer en studio et produire ça automatiquement. Mais quand la poche n'est pas lourde dans ce moment, ça nous crée du ralentissement. Ça, c'est ce que je rencontre comme problème, ça je dois les citer. Merci, monsieur le journaliste. Vous voyez, plein de projets. D'abord, le premier projet, c'est comment sortir l'album et la vidéo, l'album vidéo, comment tourner les clés pour des chansons qui ont été déjà enregistrées. Vous voyez, et faire d'autres nouveaux trucs. C'est d'abord le projet. Et les projets sont pleins. Et j'aurais préféré garder quelques-uns en secret d'abord. Et voilà, parce que il y a beaucoup de plans pour la musique dans ce pays. Je dois compter jusqu'à 7 morceaux déjà. Je dois les compter. 7 titres déjà disponibles. Et j'aimerais juste leur demander de ne pas perdre le courage qu'ils ont déjà. Et de garder ce courage et continuer à nous soutenir. Continuer à nous soutenir. Même si quelqu'un n'a pas d'argent, le soutien moral, ça sert beaucoup. C'est aussi quelque chose. Et je le vois par de part et d'autre. J'ai remarqué sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Il y a des appels parfois pour me soutenir. Me dire, il y a des jours, on a écouté ci, on a écouté ça. Ça me fait beaucoup plaisir et je les aime. Et je dois remercier M. Thomas Akbao, qui fait beaucoup pour les artistes du Bénin. Et après M. Thomas, je vais aussi dire merci à M. Placide Koffi. C'est la radio nationale. Et je dois dire merci à ces animateurs, donc des radios qui continuent toujours à faire le job de notre côté. C'est tout pour mon côté. Ce que je voulais dire, celui qui m'a reçu depuis mon enfance, qui m'a donné l'envie de faire de la musique, c'est le vieux père. Je vais nommer Papa Ras Bawar. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Quand j'entends une voix de Ras Bawar, la voix, que ce soit l'église, que ce soit seulement Ras Bawar qui l'a chanté, j'entends la voix, c'est que je respecte beaucoup ça. Ça me fait beaucoup plaisir. J'aime écouter ces chansons. J'aime entendre sa voix. C'est celui qui m'inspire beaucoup. Et je le remercie aussi. Sinon, on a eu à changer aussi. J'aime tout ce qu'il fait pour moi aussi. Donc, l'appel d'abord, c'est... Je dois lancer l'appel vers les autorités compétentes. C'est que ceux qui s'intéressent beaucoup plus aux choses culturelles, de venir nous aider et de chercher à nous aider, parce que nous voulons faire beaucoup de choses concernant l'art et la culture dans ce pays. Mais manque de moyens, nous ne pouvons pas. Autant donné que nous pouvons toutefois avoir des inspirations.
et les talents qu'il faut. Mais sans les moyens financiers, nous ne pouvons pas y aller. Nous voulons ce qui passe à nous aider, porte un coup de main pour que nous puissions aller de l'avant et réaliser ce que nous voulons. Mon dernier mot, c'est pour expliquer aux gens, vous voyez. Tout récemment, j'ai fait de la musique et caca, musique traditionnelle portugaise, musique béninoise bien sûr, que j'ai fait en langue d'Adja. Vous allez remarquer que c'est de la bonne musique, c'est quelque chose qui est agréable à l'oreille. En fait, mis à part ça, je l'ai fait, j'ai eu cette inspiration par manque de moyens pour aller en studio. Parce que quelqu'un qui prend la chanson et qui écoute les musiques, les temps que j'ai fait dedans, à chanter des différentes sortes de chansons. Ce sont des chansons qui suffisent déjà pour faire au moins 4 morceaux reggae. Donc je les ai mis ensemble, je les ai découpés et mettre ensemble pour faire de la musique traditionnelle. Parce que dans le temps que je devais entrer en studio, il n'y avait pas les moyens qu'il fallait. Donc si tu dois rester tout ce véhicule, tout ces messages que j'ai englouti ensemble là, je dois aller en studio au moins 3-4 fois pour ne pas dire 4 morceaux. Donc je les ai mis ensemble et si un seul morceau, j'ai véhiculé tout le message. Je me félicite pour ça et je dis merci et je demande à ceux qui n'ont pas encore écouté d'aller chercher à écouter ça. D'accord. J'aimerais aussi expliquer à ceux qui demandent quelques explications à ce qui concerne la chanson. C'est vrai que le message est tellement codé là-bas. Il y a tellement de codes dedans. Les gens me demandent, les gens me posent des questions concernant quelques mots dedans. Ils peuvent aussi me contacter. Je vais les expliquer. Oui, on peut juste me contacter. J'ai un seul numéro. Il n'y a pas de numéro secret. Numéro unique, j'ai un seul 67 96 70 70. J'aurais voulu qu'on me contacte moi-même directement et je vais expliquer ce qui est là. C'est le 67 96 70 70. Non, bye bye, Nia. Non, bye bye. Nae aye aye kanko choro to bae tetema. No nyan bao bajeni. No nyan bae bajeni ya. No nyan bao baje. Nae aye aye kanko choro to bae tetema. No nyan bao bajeni. Donc c'est un peu ce qui est au studio actuellement. On est en train de travailler sur ça depuis quelques jours. Vous allez avoir le complet. Je vous remercie. No kera joba ma. O kera joba na chafe niya. O kera joba ma. Kochewa ma. No kera joba. Kusiko bison loru. Mbojo jowe ti ra joba. Keko kang bebo chiche bole. Keko kang bole chiche bonu. Nkeko kang bebo chiche bole. Bojomo chaka loke dakwa. Nye je onye ko jeni. Bomo chaka loke dakwa. Nye je onye ko jeni. Kusiko vision lorun. O kera joba. Lai lai ae.
Oh, kera joba, ma. Kera joba. Oh, kera joba. Acha fenia. Oh, kera joba, ma. Kochewa, ma. Oh, kera joba. Merci à vous. Merci une fois encore de vous présenter et de nous rappeler votre nom. Mon nom, c'est Lejou André, alias Lejou Premier. Je fais de la musique reggae. Oto jomo na chan no wida chan bachago Woyo jomo na chan la chan wida chan bachago Bojo solo kofe Botolo koko bolo kwe jokori goji joloko Boke boka litoka no mani Bo okake jokama Okake jokama Inye joka okae jeni Oke boka li toka no mani Bo okake jokama Okake jokama Inye joka okae jeni Eri kwe kwe keso palaku Woyo chomo na chao La chon wida chamba chako Eri kwe kwe keso palaku Achala chako cha chaka muda chakari cha bema Choco choy, wala po choco choy. Wipe te, boko wiule,